Les grosses doses, c'est pas vraiment mon truc, pour être honnête. Je trouve ça plus intéressant de prendre une petite dose. Je connais des gens qui se sont retrouvés dans des soucoupes volantes avec la kétamine. Est-ce qu'ils étaient vraiment dans une soucoupe volante ou est-ce que c'était le fruit de leur imagination? Ça, j'en sais rien. J'ai déjà vu des soucoupes volantes, mais je ne me suis jamais trouvé un bon.
Thank you.